クライン大統領、間もなく到着します。あれは、第1章、ゴロネールの動乱。準備完了しました。では始めるとしよう。Mais c'est qu'il avait vraiment une tête de fouine, celui-là. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur Ni no Kuni 2, sortie hier sur PC et sur console. Nanda, nani ga okottan da?僕はエヴァンドリス・ファン・ニャンダール、この国の王である。お前は何者だ。そんなことより、ここはどこだ。これはどうなってる。Eh bien, je crois que tu as changé de corps ou tu t'es réincarné.Attends, Maté ! Roland ! Voilà le personnage principal qui dit ma tête ! Oh, c'est pas trop le doublage japonais que vous venez d'entendre, mais c'est le mien. Oh, il a un téléphone portable, il a son smartphone. Et bien sûr, il n'y a pas de réseau. Et t'auras plus de batterie bientôt non plus, normalement. J'étais en chemin pour aller au sommet international.Serait-ce un rêve? Peut-être y ai-je laissé la vie. Que quelqu'un attrape cet homme! Ah oui, doublage extraordinaire! Hein? Mais où sont les gardes? Emina! Ah oui, j'avais oublié les préparatifs de la cérémonie. Oui. Désolé petit, mais je dois y aller. Si tu veux jouer aux apprentis guerriers, tu devras aller voir ton papa. Hé, tu me prends pour qui?En tant que roi de Carabas, je t'ordonne de me respecter! Tu m'en diras tant! Dis-moi, petit, j'ai une question à te poser. Non. Suis-je mort? Ça va pas tarder si tu continues à te payer, bah! Hein? Nani? Nani? Une explosion? C'est ta faute, ça! Qu'as-tu fait à mon château?Que quelqu'un pente cet homme par les couilles! Ce ne sont pas bons! Serait-ce une attaque? En tout cas, si cet enfant dit vrai, il est toujours dans la réflexion, ce personnage, toujours avec son poing à côté de la bouche. Il est mort, mais il réfléchit. Une explosion, il songe. Non. Tu as bien dit que tu es le roi de ce pays, n'est-ce pas? Oui, je suis le roi de Carabas! Écoute, petit roi.Je vais faire un tour pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps-là, tu m'attends ici bien sagement, entendu? Le roi est devenu laquais. T'es, t'as pas intérêt à t'enfuir! Et tu crois que tu me fais peur avec ton petit couteau, là? Oui. J'ai pas d'ordre de recevoir d'un intrus! C'est pour ça que tu laisses l'intrus aller voir ce qui se passe. Allons voir ce qui se passe! Tu es sur les escaliers, à vive allure!La queue de cheval qui gigote dans les airs. Pop, 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 pop. Oh, il y a des têtes de poisson sur les murs. Ah, que ça se rapproche.
J'ai connu les têtes de cerf, les bestiaux que tu trouves dans la forêt. Mais là, ce sont des truites. Je n'ai aucun souvenir de ce château. Et de cette lampe non plus. De cette torche. Oh. Intrus, tu n'iras pas plus loin! Arrêtez cet homme! Oh. Je crois que tes gardes... C'est quoi ce bruit? C'est toi qu'ils veulent, cache-toi! T'as ces diableries, j'ai sorti un flingue. Ah bah je sais combattre à l'épée en fait. Les attaques rapides avec X, les attaques puissantes mais peu rapides avec Y. Les dégâts infligés varient selon la puissance d'attaque à courte portée à tout coin et selon la défense de l'attaqué. Je suis le président de Sony. Vous êtes qui, des sbires de Microsoft? C'est Sony le meilleur. Mes munitions, ça me nuise. Mais j'ai toujours le fer de lance au bout de ma paume. Ah, je les ai déchiquetés, les gardes. Ne me touche pas. À l'aide, que quelqu'un arrête cet homme. Allons, regarde bien autour de toi, tu ferais mieux de penser à t'enfuir. M'enfuir, et pourquoi? Parce que t'es très con et t'as pas vu qu'il voulait te tuer? Ne vois-tu pas que personne ne vient à ton aide? C'est un coup d'état. Hein? Un coup d'état? Dans mon pays? Ouais. Avez-vous trouvé le garçon? Pas encore, chef! Nous attendons le rapport des soldats en charge! Oui. Nous ne pouvons pas rester ici. Suis-moi. Hein? Mais il n'a pas de garde personnel, il n'a pas de... De sergent, de chef des armées, qu'est-ce qui se passe? Il est tout seul avec ses oreilles de lapin? Ah, monsieur tête de fouine! Ratanael, il s'appelle! Profitez des préparatifs pour s'armer pour attaquer. Vous êtes un génie, votre Raltesse, ah ouais! Ah oh, oui! La malice sur le lit, sur son visage! Il se frotte les mains de... Enfin, il jubile, en fait! Il prépare des mauvais plans, lui, on le voit, là! Il aime bien se masturber les paumes. Quand je pense que nous avions même augmenté la dose de poison dans ses plats, je suis impressionné. D'où vient ta voix qui s'est attendre? Donc ce sale matou a succombé à sa maladie, il ne nous reste plus qu'à nous occuper des petits pommes. Ils veulent Carabas et ils auraient tué le père du petit gamin qu'on a vu, qui est le roi, ou alors c'était le protecteur ou le tuteur. Le jour de gloire des ratocrates est enfin arrivé. Mais, oh, le doublage japonais, excellent. Vous pouvez sélectionner un doublage anglais, doublage japonais. Le garçon s'est enfui. Nandajo. Que dites-vous? Il ne reste plus qu'à passer au plan B. Oula. À toi de jouer, chevalier noir. Donc, je ne connais pas l'univers de Ni no Kuni. Hein. Je voulais faire le premier, mais il n'était pas sur PC. Et ils ont fait une exception pour cet épisode-ci. Oh, regardez ces décombres. Et donc ça mélange dessin animé, RPG à la japonaise, je crois. C'est plaisant, c'est comme... comment ça s'appelait déjà? Dragon's Dogma, où ça avait mis du temps à arriver sur PC, c'était un jeu qui donnait envie. Non. Bon, c'était pas aussi bien que je pensais... Bon, ça a été un début d'aventure pas mal, ce jeu-là. En tout cas, Roland dit, je me présente, je m'appelle Roland. Et toi, c'est Evan, c'est ça? T'es bien jeune pour être roi. Je ne sais pas si on peut encore dire que j'en suis un. Hein. Quand je pense que Carabas a toujours été si paisible,
Le calme ne fait pas tout. Chaque pays, aussi possible qu'il soit, cache un côté sombre. Je change les voix à loisir. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu une situation similaire à la tienne. Yosh. Bref, partons vite d'ici. Objectif, mise à jour. Fuir le château de Carabas. Voyez à droite, échappez-vous du château de Carabas avec Evan. Evan, petit, nous allons nous enfuir d'ici. Tâche de ne pas trébucher sur ces morceaux de mur. Qu'est-ce qu'il a, lui? Alors, comment on fait pour regarder au sol? Ah, il ne respire plus. Est-ce qu'on peut courir, par exemple? Non, on peut pas. Oh, c'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut sauter. Oh! Ah, ça joue. Oh, bon, c'est pas trop ce que je voulais faire. Ah, on peut lui parler, lui. Ne vous en faites pas pour moi! Dépêchez-vous de fuir! Ok. Oh! Est-ce qu'on peut se protéger? Ah, voilà, protection! Et on peut faire quoi d'autre? Alors, j'essaye de voir. Ah non, ça se met plutôt en garde. Le saut. Oh, Y. Ok. Il est possible de cibler un ennemi en appuyant sur RS pour permettre à vos attaques d'être plus ciblées. D'accord, comme la plupart des jeux de ce genre. Le marteleur ratocrate. Est-ce qu'on a des petites roulades ou est-ce qu'on a des esquives? Non, j'ai que le saut. Oh, on peut en faire. Attends. Oh merde. Attends. Oh non, j'ai. Oh, je suis à terre. C'est la victoire. C'est pour me sauver que tu es venu ici. J'aimerais pouvoir te dire que c'est le cas, mais la vérité, je n'ai aucune idée. Je détruis tout, votre majesté. C'est quoi ici? Non. Bon, faut suivre la minimap. Alors. J'ouvre avec la main, je pousse. Venez, votre majesté. Roland, attends! Tu vois ces soldats en rouge? Oui, pourquoi? Faut faire attention à eux! Ce sont les soldats les plus expérimentés! Le vois! Essayons de les éviter! Même si seulement Mina était là! Mina? Bah oui, Mina, elle est super forte! En plus, elle est gentille et super intelligente! S'il était là, elle botterait les fesses de ses gardes, il fait bien fait! Une telle aide nous serait bien utile! Hélas, nous ne sommes que tous les deux! Faisons-nous discrets! Et puis il oublie de rajouter, tu n'es qu'un sale gosse qui ne peut pas combattre. Avec ton petit canif. J'espère qu'ils ne nous verront pas. Chut. Continue d'avancer en silence. En silence. Voyez-vous un chemin sans être vu? Non. Ne soyons pas vus. Comment a-t-il pu atteindre la chambre du gamin sans se faire repérer? Mais tout le monde est contre le gamin! C'est un coup d'état, ils ont tous été soudoyés. Ah, merde, j'ai été repéré. Combat! Oh! Oh oui, non mais ils font super mal, d'accord! Ah, perte de conscience. Ils font des coups à 60. Tu peux peut-être les battre, sauf que je sais pas s'il y a des boutons d'esquive ou... Est-ce qu'il y a des boutons d'esquive? Est-ce qu'on peut regarder, par exemple, dans les touches? Alors, regardons. Voilà, options, paramètres, et on va voir les touches. Voilà ici, touches de combat. L'esquive, c'est L plus LB. L plus LB. J'ai même pas tout mis, il y a peut-être d'autres choses. L plus LB. LB. Ça fait rien du tout. Non. Allez, hop, hop, hop. Ça passe. Ah, ça y est, il se retourne. C'est scripté.
Reste caché, petit. On y va. On y est presque. Oh non! Oh non! Ah oui, attends, voilà, ça marche. Ok. Oh oui, je fais des super combos. Oh, il est à terre en plus. Oh! Ah, mais il y a tout le monde qui est sur moi là. Oh! Vous ne mourrez pas! Vous êtes tous contre moi! Venez un par un si vous êtes des hommes! Putain, mais j'arrive pas à changer de cible. Je peux peut-être le faire, c'est le défi de cette vidéo. Et de 1! Oh merde, je me suis trompé de bouton. Oh! Je peux peut-être le faire. Ah, papa, par contre, pas quand ils arrivent tous comme ça. Ouf, ouf. Non mais c'est mal fait le système de lock. Fuyez! Viens m'aider toi au lieu de rester dans le coin là. Bon. On va recommencer. Le système de lock est pas terrible du tout parce que vous devez utiliser la croix directionnelle de la manette. Donc je dois lâcher le stick de la caméra. Qui n'est pas du tout instinctif. Ou alors je pourrais attaquer les troupes sans qu'ils s'attroupent. Ah mais il y a deux capitaines aussi là, merde. Ah, là lui il se retourne. Dès qu'il se tourne... Allez, fais volte-face! Épéiste toi ratocrate. Passons. On y est presque. Et c'est là que le rouge se... Voilà, le rouge se retourne. T'as pas l'impression d'être visible, là, Evan? Arrête tes conneries. C'est bon, nous avons réussi. La porte est ouverte, en plus. Donc tu peux les tuer. Mais la porte restera fermée. Dis-moi, ton château est un vrai labyrinthe. Toutes les salles se ressemblent. Mina m'a dit qu'il a été construit exprès pour que les ennemis ne s'y retrouvent pas. Si tant bien est que l'ennemi vient de l'extérieur. Remarque pertinente. Donc on a un chemin vers le haut qui s'arrête dans un cul-de-sac. Il n'y a pas de passager. On passe ici. Oh! Il y a des ennemis! Hein? Nous sommes coincés. Tant que LB est maintenu, le personnage restera en position de garde et bloquera les attaques ennemies. Des dégâts seront tout de même reçus mais réduits. Il est conseillé d'entrer en position de garde lors d'attaques ennemies qui ne peuvent être esquivées ou tout simplement en attendant le bon moment. Ektasu ! Laura ! Fais attention, je suis prêt. Oh mais... Sai! 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 Ils sont là! La sorcière! Oh! Attrapez-la! Hein? Oh non, pas ça! Oh non! Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la magie en plus. Elle fait de la magie noire, c'est proscrit ici! Oh!
Oh non. Je sur le flingue, c'est tout de suite plus simple. Ah non, ah oui, oulala, c'est quoi ça? Nous sommes finis. On va être sauvés. Mais voilà Mina. Almina! Je suis si soulagé de vous voir sain et sauf! Roland m'a protégé. Roland? Oui. Pas le temps pour la présentation! Nous devons d'abord sécuriser la zone! Il est possible d'esquiver certaines attaques avec L plus LB, tu crois que je l'avais pas vu? Aïe, aïe! Oh! Ha! Qu'est-ce qui se passe? Il est possible d'esquiver. Non, mais j'ai compris, hein! Facile. Ils sont tous morts. Ah. On peut dire que tu es arrivé au bon moment. Arigato. C'est sûr, merci beaucoup, Mina. Ne me remerciez pas, je vous en prie, j'aurais dû vous trouver bien plus tôt. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle attaque en ce jour si spécial. Et vous, qui êtes-vous? Comment vous faites pour entrer dans le château? Je m'appelle Roland, en ce qui concerne ma présence ici, j'aimerais le savoir autant que vous. Il m'a aidé alors que j'étais en danger. Je lui dois la vie. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Si Sa Majesté vous fait confiance, alors... Je m'appelle Almina. Je suis la gouvernante de Sa Majesté depuis son plus jeune âge. Si j'ai bien compris, vous vous occupez aussi de sa sécurité. Oui, bien que je n'ai jamais eu besoin de le faire jusqu'à aujourd'hui. Dis, Mina, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ratoléon des conseillers royaux de Sa Majesté Léopold a lancé une rébellion, il est à votre recherche. Ratoléon, mais pourquoi? Je vais aller lui parler. Non, je me suis trompé de voix, zut alors. Je vais aller lui parler. Je ne peux pas le laisser faire. Cela ne sert à rien, il ne t'écoutera pas. Un coup d'état ne se fait pas sur un coup de tête, aller à sa rencontre reviendrait à du suicide. Mais... Non. Almina, y aurait-il un moyen de s'échapper sans être revu? Aïe. Il y a bien un passage secret menant à Carabas, les écoutes de Carabas. Tel peu de gens connaissent l'existence. C'est par là. Objectif mise à jour vers Carabas. Trouvez l'entrée du passage secret menant à Carabas. Ouvrez la porte. Oh non! Cachez-vous vite! Ah oui, le chevalier noir est proche. C'est le grand méchant loup, c'est le chevalier qui est trop dangereux. Reste ici un petit moment. Mais c'est qui, le chevalier noir? Il a l'air différent des autres soldats. Aïe. En effet, c'est un soldat d'élite aux ordres de Ratoléon. Nous avons très peu d'informations à son sujet, si ce n'est qu'il a développé sa puissance grâce à une magie peu connue. Autant vous dire que nous n'avons aucune chance contre lui. Même toi, Mina? Ah. Nous ferions donc mieux de nous faire discrets. Exactement, la discrétion commence tout d'abord par un bon accoutrement. Mettez-vous à poil, sans vouloir vous enfoncer, monsieur Roland. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me parle? Ah bah c'est tout de suite mieux ça, je suis chic. Non. Ma tenue vous convient-elle maintenant? Vous avez obtenu une tenue de protecteur? Ouais, ça te va bien! Et pile à votre taille. Oui, prenez aussi ceci, je crois comprendre que vous n'en aviez pas. Mais qu'est-ce que c'est? Une chevalière, une bague magique qui permet de stocker plusieurs types d'armes. Elle permet aussi de révéler leur effet caché. C'est-à-dire? Aïe. Prenez votre épée par exemple, sans l'équiper à chevalière, vous ne pourrez pas profiter de tout son potentiel. Pour cela, il faudra aussi une autre épée. J'en ai justement une pour vous, prenez-la, équipez-le tout à votre chevalier.
vous obtenez un glaive. Équipez mes deux épées à ma chevalière, hein ? C'est entendu. Avez-vous d'autres armes à part une épée ? Eh bien, j'ai ma bite et mon couteau. J'ai bien mon pistolet, mais j'ai bien peur qu'il ne me reste plus beaucoup de balles. Ce n'est pas un problème. Ah, ça te dérange pas qu'il te parle de pistolet ? Est-ce que tu sais ce que c'est, au moins ? Non, une fois équipé à chevalier, vous n'aurez plus besoin ni de balles ni de flèches. Mais oui, bien sûr, où avais-je la tête ? Et si vous l'essayez ? Sélectionnez équipement dans le menu pour modifier l'équipement et les compétences des personnages. Vous y trouverez trois onglets dont le premier concerne les armes de courte et de longue portée à équiper la chevalière. La deuxième vous permet de modifier vêtements, chaussures, bagues et colliers portés par les personnages. Le dernier vous permet de choisir les compétences utilisées en combat. Je n'ai rien compris du tout. Sélectionnez équipement dans le menu pour modifier équipement et les compétences. On va essayer. Équipement. Statistiques des personnages sont divisées en 5 paramètres. L'attaque à courte portée correspond à la puissance d'attaque à l'aide d'armes de compétences à courte portée. L'attaque à longue portée correspond à la puissance d'attaque à l'aide de l'arme de compétence à longue portée. L'attaque magique correspond à la puissance d'attaque à l'aide de sorts de combat. La défense correspond à la résistance aux attaques reçues à l'aide d'armes. La résistance magique correspond à la résistance aux attaques reçues à l'aide de sorts de combat. Et les statistiques varient selon le personnage, les armes et les vêtements équipés. À noter que chaque personnage a ses armes de prédilection. Alors, quelle est l'arme de prédilection de ce personnage? On ne le sait pas. Alors, de courte portée, c'est quoi ça? Glaive. Dans le cas où plusieurs armes à courte portée sont équipées à la chevalière, il est possible de changer d'arme avec LT. Ah ouais, donc 1 et 2, c'est ça. Et on peut changer les armes. Ça vous permettait de profiter des différents effets de chaque arme et surtout profiter de la puissance accumulée dans chacune d'entre elles. Ah, il y a de la puissance qui monte. Au fur et à mesure que... Et donc on change avec LT en plein combat. D'accord. Lorsque saisi à 100%, l'attaque du personnage se voit augmentée. Le changement d'arme en combat peut être manuel, semi-automatique ou automatique. Le changement d'arme manuel se fait uniquement en appuyant sur LT. En mode semi-automatique, je vais mettre tout en auto. Possible de paramétrer le mode changement d'arme. Pour en revenir à l'accumulation de puissance, plus d'explications sont fournies à ce que vous apprendrez en compétences. Donc là, je combats avec l'arme 1. Et donc si j'appuie sur LT, ça change. Voyez ? Voyez ? Ah bien. Bien, ça devrait faire l'affaire. Il est possible d'équiper plusieurs armes, il sera possible de jongler entre elles en combat. Vous devriez essayer si vous obtenez de nouvelles armes. C'est entendu ? Quand elle vous êtes tombée, vous avez blablabla. Ok. Vous avez obtenu le baluchon ! Et qu'est-ce que c'est ? Les affaires que j'ai ressemblées à la bavite qui serait de vous être utile. J'ai trouvé aussi une chevalière. Très bien. J'espère que vous ayez à vous battre. Sinon, ça casse pas, n'est-ce pas ? Je vais essayer. Il est dispersé par tous les objets à l'origine mystérieuse du nom de Pierre Levé. En touchant une de ces pierres, vos PV et PM seront restaurés, vos afflictions guéries. Tout cela gratuitement. Elles permettront de sauvegarder, mais nos ordres de sauvegarde est impossible. Eh bien, on va s'arrêter ici alors pour cette vidéo. Avec la borne de sauvegarde Bluetooth. C'est quoi RT, c'est les compétences d'air. Comment ça marche? Les PV de tous les membres de l'équipe ont été restaurés. Et comment on sauvegarde maintenant? Voulez-vous sauvegarder? Oui! Souhaitez-vous sauvegarder votre progression? Sauvegarde en cours, très bien. 29 minutes de jeu. Voilà pour le début de Ni no Kuni 2. Je vais peut-être faire d'autres vidéos dessus. On verra. Ça me tente bien de voir la suite avec vous. Mais on se laisse ici au niveau 2. Dans cette pièce, avant de trouver l'entrée du passage secret, maintenant, ta carambas! Allez, caramba! Allez, salut à la prochaine sur la chaîne, le petit pouce bleu si vous avez apprécié, votre avis dans les commentaires et abonnez-vous si jamais ce n'est pas fait! A bientôt sur Nick TV!